Annie. Papa, tu m'as appelé. Je veux déjà plus tard. Écoute, j'essaie de te débrouiller, j'ai promis 500. Hein. J'essaie de faire quelque chose avec. Je vais faire quoi avec 3500? Tu fais l'essentiel avec. Quel essentiel? Prends un papier et puis propose-moi un plat. Tu sais pas que tout est devenu cher au marché actuellement. Ben, fais ce que tu pourras avec. Hein. Je vais faire le plus de poulet. C'est ce qu'il y a de plus moins cher au marché. Et voilà. Ça recommence encore avec les histoires de cuisses de poulet. Tu sais bien que je ne mange pas des cuisses de poulet. C'est un problème. D'ailleurs, mais je me demande, est-ce que c'est une interdiction médicale? Non, sérieux. Quand tu en manges, ça te fait quoi? Ça te fait des allergies? Hein? Ça te rend malade? Oh, ce sont des complications inutiles, franchement. 3500, vraiment 3500. Je vais faire quoi avec? Écoute, écoute. Tu fais ce qui pourra aller avec. Hein? C'est quand même moi qui donne l'argent dans cette maison. Donc ne m'oblige pas de manger ce que toi tu veux que je puisse manger. Je ne t'ai jamais vu cuisiner d'ailleurs. Tu donnes l'argent, tu donnes l'argent. Ne fais pas ça, s'il te plaît. On se voit le soir. Comme exemple, nous avons We are playing football, qui signifie en français que nous sommes en train de jouer au football. Donc, nous sommes en train de jouer au football, c'est l'action qui est en train de se dérouler maintenant là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, est-ce que parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui a compris? Si vous avez compris, chacun de vous va me donner une phrase au present continuous, subject plus auxiliary to be plus verb plus ing. Yes, Sheila, you can give us an example. I'm going to school. Very good. I'm going to school. I'm going to school. Qui signifie en français, je suis en train de partir à l'école. Ou encore, je pars à l'école. Là, nous retrouvons la forme progressive. The present continuous. C'est très bien, Sheila. Merci, tu peux t'asseoir. Yes, somebody else? Salut chérie. Tu peux m'accorder un petit moment, je veux te parler. Parler de quoi? J'ai pas le temps là, je sors. Où est-ce que tu vas? Tu deviens mon chef? Je dois te dire partout où je vais? Je veux juste savoir, c'est tout. Où penses-tu que je pars? C'est pour aller chercher les femmes? C'est à cause de ta jalousie que tu mourras un jour. Bon, vous avez fini? Oui, monsieur. Donc, on a fini. Si vous n'êtes pas pressé, j'aimerais vous parler un instant concernant la parole de Dieu. Non, monsieur, ça ne nous intéresse pas. Marion, et toi? Non, monsieur, j'ai un rendez-vous, monsieur. Et toi, Sheila? Tu m'accordes le fisc 2 minutes? D'accord, monsieur. Ok. Tu sais, Sheila, tu es une fille brillante, intelligente. Et ça ne me fait pas plaisir de te voir tel que tu es. Ça me fera au contraire plaisir de te voir ou encore de savoir que tu as connu la parole du Seigneur. Tu dois croire à la parole de Jésus-Christ parce que Jésus revient bientôt. Est-ce que tu vas à l'église? Non, monsieur. Or, c'est pas bon. Il faut prier, ma petite. Est-ce que tes parents vont à l'église? Non. Non? Oui. Tu vois, c'est pas bon. Tu dois commencer à aller à l'église. Je peux t'inviter à mon église, là où je prie? Dans votre église? Oui. Eh bien, monsieur, pour être franche avec vous, les histoires de religion, là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais après avoir vous écouté, je me suis un peu intéressée. Donc, je vous promets pas. Dimanche, si j'ai le temps, je ferai signe. D'accord. En tout cas, merci. Y a pas de quoi? Tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup, ma petite. Tu peux rentrer à demain pour le cours prochain. Merci. Et n'oublie pas les exercices. Hein. Ok, monsieur. D'accord. Ruth! Ah!
Toujours la Bible, toujours la Bible. Comment? C'est ça ma vie, ma chérie. Quitte là. Quoi, je suis venue te prendre? Tu n'es pas prête? Je ne sais pas si tu peux me comprendre, Esther. Il y a quoi encore? Au fait, je ne suis pas conduite d'y aller. Toi aussi. Ça fait rien. On doit partir à la fête. Toi, tu peux prendre le jeu, moi, je veux prendre ma bière. Ça revient au même. Ne fais pas ça, va te changer. On doit partir. Esther. Calme-toi. Je vais m'expliquer, tu vois. Tu sais, c'est une fête païenne. Et maintenant, ça fait quoi? Moi, je suis chrétienne. Je marche par la conviction et la Bible. Et la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché, ma soeur. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ici? La routine. Mais t'avais un sac ce matin. Tu l'as mis où? Ouais, je l'ai laissé au boulot. C'est là-bas que tu vis maintenant? S'il te plaît, on commence pas avec ça. Je suis fatigué. Beaucoup de gens meurent par manque de connaissances, car ils agissent sans pourtant attendre la conduite de l'esprit. Raison pour laquelle je te dis, cette fête ne m'intéresse pas. Bon. Comme tu vois, hein, mais il faut toujours prier pour ça. D'ailleurs, raison pour laquelle je t'invite demain à l'église. Qui? Moi? Ok, on verra. Bon, je dois partir à la fête. Je suis même en retard. Attends, je vais t'accompagner. Ok, on y va. Donc, t'as vraiment l'envie, quoi. Tony, quand je meurs de faim, j'espère que tu n'as pas fait ton histoire de cuisine. Attends, je me servais. Daniel, pourtant je t'avais bien dit que je ne veux pas manger le cuisson de poulet. Tu l'as fait quand même. Avec quoi si je mange ça? Tu m'avais dit de faire ce qui pouvait aller avec les 3500. Je t'ai dit qu'il n'y avait que les cuisses de poulet. J'ai fait ça. D'accord. Donc désormais, je veux m'incliner à tes désirs, c'est ça? Ça ne sert à rien de beaucoup parler. C'est déjà fait. On ne va rien changer. Et puis d'ailleurs, quand j'ai décidé quelque chose, c'est comme si c'était toi qui l'avais décidé. Comment ça? C'est moi qui vais t'apprendre ça. Tu sais pas que l'homme et la femme sont un après le mariage? Tu le sais pas? Tu parles de un? Oui. Crois-tu que nous sommes vraiment un? Au moment où tu es même incapable de m'écouter? Oh Seigneur. Qu'est-ce que je dois manger maintenant? Ok. Comme c'est vraiment ton désir. Ce que tu veux vraiment. Ok, viens récupérer ce que tu aimes plus, ce que tu adores. Merci. Je veux pas manger ça. Merci. Une bouche de moins. Si tu veux pas manger, tu te laisses. Okay. Moi, j'aime manger ça. D'accord. Bon appétit. Comme ça, tu auras des points face à ma famille. On me verra prendre du poids. Ça te donnera des galons, non? Okay. On dira que tu sais prendre soin de ta femme. C'est pas ça? C'est pas ce que les hommes aiment? Sheila, que fais-tu? Je médite. N'importe quoi, je médite. Depuis quand? Depuis aujourd'hui. Bref, papa nous avait promis de l'argent ce week-end. Donc, quand nous l'aurons, nous irons en boîte comme prévu. Ça te va? En boîte, tu dis. En boîte. Je suis vraiment désolée. Parce que je n'irai pas avec toi. Chérie,
Chérie, s'il te plaît, j'ai un petit problème avec mon téléphone. Je n'arrive pas à accéder à mes paramètres. J'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Tu vois bien que je suis en train de méditer là, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Tu peux pas m'aider? Même pour un téléphone, tu peux pas m'aider? Écoute, c'est pas le temps ni le moment. Est-ce que tu peux attendre un peu, s'il te plaît? Ça va te prendre combien de minutes? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi à l'heure où je médite, tu viens toujours me déranger? Si tu n'as pas besoin d'être dérangé, va méditer ailleurs. Je crois que c'est mieux. Écoute, c'est quand même ma maison. C'est notre maison. Par la simple raison que je prie maintenant. Ah bon, attends. Je ne vois pas en quoi cela t'empêcherait d'aller te balader, très cher. Me balader? Pas en boîte. J'ai dit je n'irai pas, donc j'irai pas. T'es sérieuse? Attends. Ai-je l'air d'une farceuse? Bien sûr que je suis vraiment sérieuse. Et pour rendre crédible tout ce que je viens de te dire, hein, je t'avoue même que tous les habits indécents que j'avais, jupe courte, pantalon, robe transparente, etc., je les ai tous brûlés. Je ne vois pas en quoi être chrétien t'empêchera de mettre les pantalons très chers. Hein? Ok. Je te comprends. C'est pas ta faute. C'est l'ignorance qui te fait parler. Tu sais quoi? La parole de Dieu dit dans Deutéronome 22, verset 5, que c'est une abomination pour une femme de mettre les vêtements d'homme. Ah, crois-tu que papa agréera ta décision? En fait, c'est ça le problème. Peux-tu garder ça pour toi? Parce que je ne veux pas qu'il soit au courant maintenant. Ok, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais seulement, je ne sais pas comment papa réagira. Écoute, comment ne t'en fais pas? Dieu prendra soin de comment... Tout ce que je te demande, c'est de bien fermer ta petite bouche sans tâcher de l'ouvrir. N'oublie pas que je suis quand même le chef de cette maison. Ah, ça, c'est la meilleure. Je te rappelle une chose. T'es le chef de cette télé? D'accord. T'es le chef de ces fauteuils? Ok, il n'y a pas de souci. Mais tu n'es pas le chef de ma personne. Tony, je me pose la question. Qu'est-ce que tu vas faire l'église? Comme quoi? Comme quoi? Qu'est-ce que tu vas faire l'église? J'espère que tu n'as pas le projet de m'interdire d'aller à l'église. Parce que sinon, ça ne va pas se faire. Ce qui prouve vraiment que tu es une chrétienne, c'est ton attitude que tu as envers ton mari. Je ne te donne que ce que tu me demandes. C'est pas la Bible, ça? Si tu me respectes, je te respecterai en retour. Mais tu ne le fais pas. Tu veux que je fasse quoi? J'en ai assez écouté. Oui, comme d'habitude, défile-toi. Tu prends ton irresponsabilité, tu le portes comme une veste. Et tu es incapable de résoudre les problèmes de ta maison. On ne peut pas avoir une vraie discussion. Toutefois, tu te défiles. Pourquoi tu fais ça? Oui, fouille, fouille. Vas-y, mais ça, alors fouille. Irresponsable, lâche, poule mouillée là. Tu me fais chier. Frère Altesse. Shalom. Shalom. Entrez, s'il vous plaît. Ah, merci. Sophie Nathalie, Ndengen Kolo, Batelingaï, Baini Nangaï. Frère, on peut faire un mot de prière? Oui, oui. Seigneur, te disant merci pour la visite de ton fils, assiste-nous du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle surprise, frère. Bon, mais je suis là. J'ai pensé à venir vous rendre visite. Je peux vous offrir à boire? Oh non, ça va, ça dérange pas, ça dérange pas. Vous êtes là pour moi ou pour ma soeur? En fait, c'est toi que je suis venu voir. Moi? Oui, toi. Je suis allé voir le pasteur. On a eu à causer avec le pasteur. Je lui ai demandé si je pouvais avoir l'accord de venir te voir. Parce que la sœur, vraiment... Je sens vraiment le poids de te fréquenter. Bonsoir, Matola. D'où viens-tu? Ma tante, j'étais chez ma copine Ruth. Quelle Ruth? Celle qui prie. Oui, celle qui prie dans le message. Oui, ma tante. Approche. Avance, avance, avance. Avance, avance, Esther, avance. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse pour toi. Je te demande de me laisser un peu le temps de prier. Je te reprendrai plus tard. En tout cas, c'est la vraie chose à faire. Soyez conduit. Comme dit notre prophète, remettons tout dans la prière. Je te laisse le temps de prier, Dieu voulant. Prions, frère. Ah, d'accord. Seigneur, te disant merci de ce que tu nous as assisté. Je te prie d'accompagner le frère dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma soeur Colombe, que te bénisse.
que je t'ai défendu de fréquenter cette fille. Moi, je t'avais bien dit que je n'aime pas les gens de messages. Mais pourquoi maintenant? Mais parce qu'ils sont des magiciens, ils mettent leurs photos dans leurs églises. Tu sais pas ça? Que ce soit pour la dernière fois. Tu m'entends? Tu m'entends? Allez, va-t'en d'ici. Merci. Que fais-tu ici? Ah, je prends un peu de l'air. Mais chérie, pourquoi aujourd'hui tu reviens si tôt? Tu n'as pas eu service? Si, j'ai travaillé, mais aujourd'hui il n'y a pas eu grande chose au boulot. Voilà pourquoi je suis venu à temps. Qui sait? Parfois derrière cela, tu as une autre pensée. Ça fait quoi? C'est bien, non? J'en profite d'être avec toi. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour ma fille. Attends. Tu l'as bien regardée? Oui, je l'ai vue, notre pouponnette. Pourquoi elle est habillée comme ça? Vraiment, car cela me laisse tant de questions à son sujet. J'aimerais savoir cette hostilité. Elle a sûrement quelque chose qu'elle nous cache derrière cet accoutrement. Mais bien sûr, parce qu'avant, elle ne s'habillait pas comme ça.
John, as-tu vu ta soeur Sheila? Je crois qu'elle est dans sa chambre. S'il te plaît, appelle-la-moi. Maman, tu m'as appelé? Oui, assieds-toi. Ma fille, je voulais savoir quelque chose que je trouve un peu louche à ton sujet. Dis-moi, as-tu changé ta garde-robe? Ça fait un beau moment que je te vois plus porter tes habits sexy. Voilà pourquoi je voulais savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout, maman. Eh, mais oui. Ah oui, en fait, j'ai changé ma garde-robe parce que je veux maintenant m'habiller comme ça. T'habiller comme ça, tu dis? Mais ma fille, c'est pas toi qui devais descendre jusqu'en bas comme ça? Maman. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, bro! Oh! Ah. Bonheur, bonheur! Enchanté! Mais enchanté! Ah, comment vas-tu? Non, ça va. Y'a que toi qui m'as fouillé là. Non, mais je suis là. Seulement ce jour-ci, je suis tellement occupé là au boulot. Ah! Quelle occupation, là où ton meilleur ami, hein? Toutes mes excuses. Hein? Ah. Je m'arrangerai afin que nous puissions nous voir. Non, faut pas faire ça. Faut venir me voir. T'inquiète. Moi, j'ai besoin de toi. Sinon, pas ça. Non, ça marche. Ça marche juste que... Ah, bro. Moi, je pense me marier. Hein? Oh! S'il y a un souci, tu sais, la personne que tu ne devais jamais cacher tes secrets, c'est moi, ta maman. S'il y a un souci, tu n'as qu'à me le dire. Y'a quoi? Y'a quoi, ma fille? Maman, fais pas tout un drame. Je vais bien. Tu en es sûre? Oui, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Je t'assure. Ok. Comme tu me le dis, tu me rassures. Dans ce cas, tu peux t'en aller. Merci. Formidable! Ah oui, hein? Mais c'est une bonne idée. On se marie quand on est jeune, donc tu vois. Ah oui, hein, c'est comme ça. C'est dur, bro. Et tu as déjà trouvé la personne avec qui tu vas te marier? Oui. Ah, bro. Tu connais ma famille Ananga, non? Oui. La brune, là. Ah, c'est elle. Ah. En tout cas, la sœur, là. Quand yeah. Je la vois, vraiment, c'est une femme. Ah. Faut prier pour moi, hein? Toutes mes félicitations. Ah, bonheur, bonheur. Non, t'inquiète. Donc, c'est ça. Quoi donc, tu es venu payer un truc à manger? Oui, je suis venu chercher quelque chose à manger, là. Oui, je vois. Non, mais viens. Ceux qui n'ont pas assez d'argent n'en mangent pas. Mais pourquoi? Ça coûte très cher. Toutes les bonnes choses coûtent cher. Dis-nous un peu. Depuis que tu as cru ce message, tes parents ne t'ont pas créé des problèmes? Comment tu peux m'aider? Explique-moi un peu. Comment ça se fait qu'une seule personne, un seul numéro, en une journée, peut t'appeler 15 fois par jour? Explique-moi. Ma chère, qu'est-ce qui te pousse à penser à ça? Je sens ça. Je sens l'odeur de la tricherie, du mensonge et de la fraude. Moi, est-ce que... Oui, moi, oui, 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 oui. Explique-moi, explique-moi. 15 appels. 15. Ma chérie, ça c'est juste un mauvais esprit. Ça pense à ça. C'est toi plutôt qui as un mauvais esprit. Toi qui es possédé par un numéro qui t'appelle 15 fois la journée. Après tu veux dire que c'est moi qui ai un mauvais esprit? Comment? Tu souris? Tu souris? Parce que je suis bête, c'est ça? Je souris. Je souris vraiment. Tu sais pourquoi? Parce que quand je te vois là,
Tu me dis que vraiment, ça c'est vraiment une sœur en Christ qui est devant moi. Bien sûr, bien sûr. Quand je te vois à l'église, tout souriante, je te vois avec des frères. Shalom sœur, shalom frère. Alors qu'au fond de mon cœur, je me dis, oh quel hypocrite que j'ai là. C'est toi l'hypocrite. Je suis hypocrite en quoi? En quoi je suis hypocrite? Quand toi tu n'arrives pas à expliquer une simple question. J'ai pitié de moi-même. Mes bien-aimés pensent que vraiment j'ai une bonne épouse à la maison. Bien sûr que tu as une bonne épouse. Maman aussi, parce qu'avant-hier, elle m'a déjà fait des reproches. Je ne peux pas leur en parler parce que le pasteur m'a dit que ce n'est pas encore le bon moment. Oui, oui. En tout cas, tu as très bien fait. Hein? Tu sais que ce n'est pas facile. Mm-hmm. Oui, oui, je sais. Or qu'une vipère, une véritable vipère. Moi, une vipère. Oui. Tu me traites de vipère. Tu l'es. Mais qu'est-ce que tu fais avec une vipère? Pourquoi tu m'as épousée si tu savais que j'étais une vipère? Et de sur quoi? Tu aimes une vipère et puis tu ne peux pas supporter ses venins? Tu devais être plus puissant que moi, non? Puisque c'est toi qui m'as épousée. Ok. Je peux te mettre à tes côtés, là. Tu vas où? Attends. Tu m'as traité de vipère. Tu me dois de l'argent, donc tu paies mon argent aujourd'hui. On verra ça après. Non. Et pas qu'on verra ça après. C'est aujourd'hui que tu m'as traité de vipère, c'est aujourd'hui que tu règles les comptes. En passant, dis-moi, comment ça va avec ton frère, celui qui est allé voir le pasteur? À présent, je ne lui ai pas encore répondu. Dieu voulant, demain, j'irai voir le pasteur pour me rassurer si réellement le frère était passé par lui. Tu sais, dans ce message, on ne peut pas commencer la fréquentation sans que le pasteur soit au courant. Oui. Dernièrement, dans la prédication, le pasteur en a parlé. Oui. En tout cas, tu as très bien fait. Oui, hein? Oui. Il faut aller voir le pasteur avant. En tout cas, tu es vraiment gracieuse. Hein? Oui, tu as vraiment de la chance. Hein? Vraiment. Mais bon, les filles, on peut partir, on a fini. Je n'ai pas de problème. Non, j'ai pas envie de parler. Règle, tu pars nulle part. Reviens. Tu règles mon problème aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu m'as traité de vipère. Lâche-moi, s'il te plaît. C'est aujourd'hui que tu m'as traité de vipère. Lâche-moi, s'il te plaît. Je ne vais pas te lâcher. Si tu me lâches pas, j'appelle les huissiers. Appelle. Ok. Appelle. Si tu veux, tu vas voir ce que je fais avec ton téléphone. Appelle. Bon. Tu as osé quand même le faire. Ok. On va voir. Je veux voir Sam. J'attends de voir. On va voir qui est le chef de cette maison. Là. C'est l'huissier. C'est pas toi. C'est l'huissier. Parce que tu l'as appelé. C'est lui le chef de ta maison. D'accord. Si c'est lui ou c'est moi, on va voir. J'attends voir ça. Moi, j'attends voir ça. D'accord. Fouille. Ouh, tu n'as même pas honte. Irresponsable. Bon déjeuner. Merci papa. Mais dites-moi, Espérance n'est pas là. Elle a fait un tour chez sa mère. Ah ok. Bien. Moi, je vais partir. Ça, c'est votre
l'argent de week-end. Et on se retrouve le soir.